Salut à tous les amis, c'est Desson et on se retrouve aujourd'hui pour notre 16e épisode. Et oui, j'ai même le casque qui bouge. Notre 16e épisode sur la Terre du Milieu, l'ombre du Mordor. Et oui les amis, 16e épisode. Alors pour ma part, ça fait pas mal de temps que j'ai pas joué. Ça fait bien une semaine et demie, deux semaines que je n'ai pas joué. Donc ça va être compliqué de se remettre un petit peu dans le bain et d'essayer de continuer notre aventure. Alors personnellement, moi ce que j'ai fait c'est que hors caméra j'ai été chercher tous les bonus que je pouvais trouver dans la première partie. À part bon, même pas, vous voyez, c'est une simple chose que j'ai oublié. Et une petite quête annexe qu'on ne fera pas. Et on va aller tout de suite vers la mer de Numen qui était le deuxième petit, comment dire, deuxième région où nous étions arrêtés dans le dernier épisode. Donc vous allez voir que je sais pas ce que ça nous réserve. Je pense que ça va être assez compliqué. On a 45% du jeu avec toutes les petites quêtes et toutes les petites choses que j'étais chercher dans la première zone. On va voir ce que ça donne, les amis. C'est parti. Mon kiki, pour cet épisode, je pense que je vais changer l'endroit de la webcam. Et oui, je pense que je vais la mettre en bas à droite. Ça sera un petit peu mieux, ou en haut à droite, que à gauche. En haut à gauche, puisque, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses à gauche qui pouvaient vous intéresser. Donc, bref, passons toutes ces choses-là. Ce qu'on va faire dans cet épisode, les amis, déjà, c'est déverrouiller un petit peu toutes les tours de forge et pouvoir connaître toutes les zones de cette belle contrée. Il nous en reste plus que 3 à aller chercher. Ça ne risque pas d'être bien compliqué. Je pense que même que ça va faire qu'une seule partie de cette vidéo. C'est parti, les amis. Youhou ! Voilà. J'ai changé le skin, regardez comment il est swag. Alors, il a l'air un petit peu méchant comme ça au regard, mais vous inquiétez pas, c'est pas un homme méchant. Vous connaissez, c'est toujours notre Talion connu, c'est toujours notre Talion adoré. Bref, allons-y, on va essayer de se faire ça en mode discretos. Par contre, il est grave swag, c'est un truc que j'ai pu avoir, c'est les DLC qui étaient gratuits en plus. C'est ça que c'est beau, c'est ça que c'est pas mal. Allons-y. Alors, excusez-moi si dans cet épisode 15, le dernier épisode, j'ai été très très calme, parce que je l'avais tourné assez tard dans la nuit, je voulais pas réveiller trop de monde. Là, pour ma part, il est 20h, 20h30, même pas 20h30. Donc ça va être assez simple pour... je peux faire un max de bouillon. Allez, on prend des renseignements parce qu'on n'en a pas. Donc au passage, vous voyez que ça, ce sont des nouveaux chefs de guerre qui sont venus se greffer un petit peu à tout ça. Et donc ce qu'on fera déjà, c'est nettoyer un peu la première ligne de ce... Mais non, c'est rien, n'aie pas peur. La première ligne des chefs de guerre, en tout cas des premiers généraux. Ça, c'est sûr. Faut que je reprenne. Donc, excusez-moi si je tire la langue, vous connaissez. Ah, c'est pas ça. Vous connaissez mes tics de concentration. C'est pas nouveau. J'essaye de pas vous faire trop entendre le bruit de la manette. Normalement, coupage de tête, c'est gratuit, c'est comme ça. Ok, c'est bon, ils sont tous d'ailleurs. On va pouvoir continuer notre épopée et aller chercher cette putain de tour. Qui est là-bas à 873 pieds exactement. Allons-y. Faut qu'on fasse gaffe parce que là il y a des merdes, je ne sais plus le nom. Juste ici. On va utiliser la tyrolienne pour les éviter. Ils m'ont grillé. Fuck. Putain, ils ont réussi à grimper, ces connards. Oh putain, vous avez vu le truc qu'il a fait? Bref, mettre un ralenti là-dessus. Je ne sais pas si la vidéo de la PGW sera sortie avant cet épisode. Malheureusement, je ne pense pas, parce qu'il faut que je récupère les rushs qu'on a pu faire avec ma copine. Putain, j'ai mon micro qui est en train de se casser la gueule, c'est super. Va falloir que je le remette pour le deuxième épisode que je suivrai après. Hein, parce que c'est dans n'importe quoi, je l'ai pas bien serré. Bon, c'est bon, je pense qu'ils m'ont oublié. On va essayer de sauter pépère, tranquille. C'est bon. Donc oui, voilà les amis, il serait peut-être pas encore sorti la vidéo de la PGW, parce que j'ai pas mal de choses à dire dessus, j'ai quelques vidéos à monter et à vous montrer, même si on n'a pas vraiment fait de super vidéos, de super rush, mais bon, ça montrera un petit peu l'esprit, je trouve, du salon. Mais bref, je me rends arrêté là parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est pas le sujet de cet épisode. Allez, on va buter juste le petit archer qui est là. J'espère qu'il ne nous voit pas. J'ai vraiment mon... Je préférerais
d'être un seul putain de micro qui va se casser la gueule et qui va se mettre sur mon. Qui va se poser sur mon bureau en fait. J'espère que mon entendu aussi bien. Ferme ta gueule. Tu m'as oublié, tu m'as pas vu. Tu sais plus que j'existe. Pas de problème. Merci Roder. On va quand même réussir à le finir ce jeu. 45%. Je pense qu'en 25-30 épisodes on aura la fin. Même peut-être avant, parce que. Il prend certainement les pourcentages, ça nous prenne certainement en compte les la petite quête annexe et les choses à récupérer sur la map. Ok, bon, c'est bon. Hop là, une nouvelle tour. C'est cool. C'est déjà ça. Comme alors, les mains d'argent dispersées sur les terres de Sauron, ces tours repoussent les ténèbres. Ça marche. Il en reste deux à aller chercher. Donc allons-y. Allons les chercher gaiement. Allons nous amuser. Tac, tac, tac. Vous avez vu mon beau fauteuil un peu? Je vous l'ai montré en photo au moment où je l'ai monté, je peux vous dire j'en ai chié, ma gueule. Bref. Allez, on va se taper un petit peu. Alors, j'ai eu quelques commentaires dans les vidéos sur ce let's play, hein, me disant d'être un petit peu plus stratège. Alors bon, stratège dans ce jeu, je ne sais pas si le mot est... est digne d'être ici, parce que être stratège dans ce jeu c'est un petit peu compliqué, sachant que c'est un jeu un peu bourrin. Mais c'est vrai que oui, il faut savoir être un petit peu plus intelligent des fois, plutôt que de rentrer dans la masse. Mais j'aime bien les fourriers de l'orc. Ça me plaît. Oh, c'est plutôt joli ici. Plutôt joli, plutôt joli. Je pense que juste ce village ne leur appartient pas, ces enculés d'orc. Ah, quoique. Ah non, ils ont récupéré des choses qui n'étaient pas. Ah, les enfoirés, vous n'êtes pas chez vous. C'est pas grave, allons-y. Il faut que j'aille la chercher. On va éviter cette forteresse parce que j'ai pas envie d'ameuter le maximum d'orques et toute l'armée de Sauron. Hein, ça ira. On va passer en dessous. Voilà, niveau des bonus, je t'embrouille. Le fort morne. Il y a même une entrée juste ici. Putain, ça... Ah, c'est la reine. D'accord. Allons-y. Gaiement, ils ne nous ont pas vu. C'est parfait. C'est parfait. Pas de complications pour cet épisode. Je le sens bien. Une lance, une épée, une hache. C'est bien suffisant pour tuer ce rôdeur. Tout dépend de comment on les utilise. Ouais, mais je pense que vous avez quand même du mal à me tuer. Il est tout seul. C'était pas dur à tuer. Le petit pont. Le petit patapon. Et nous allons aller. Attends, il y a un feu de camp là. Ouais, je m'en doutais qu'il y avait un mec. Feu de camp, 10 mecs. Qui dit feu de camp, 10 petits orques. J'adore avoir la mort pour d'atroces souffrances, sauf celle des ours. Voilà. On aura une mission principale ici. Putain, on a plein de missions principales à remplir. Mais pour l'instant, on agrandit un petit peu la map et on voit ce que ça donne. Non, là, ils sont nombreux, ils arrivent par le pont. Ou c'est moi? Non, ils n'arrivent pas par le pont. Donc lui, je peux le tuer tranquillou, pépère. Les Caragors ne me font pas peur. Le projet... Hop là! Crash de tête. Merci. Alors, les Caragors ne me font pas peur. L'autre, il vient de se faire bouffer comme une merde. Ok, elle est là-bas. Je sais pas si je peux sauter là sans être crié. Non, c'est bon. Allez, grimpe, grimpe, grimpe. Ils m'ont pas vu. Je sais pas si ça. Prendre l'élan. Ça touche pas ça, non. Allez, ma gueule! Ok, d'accord, il a même pas tenté. Rien à foutre. Il tente même pas le petit saut. C'est naze. Allez, grimpe. Hop, tu te prends là. Tu grimpes ici. Hop, hop. Voilà. Ah, mais merde, j'avais pas vu qu'il y avait le filin. Le filin. Allez, récupère-le. Putain, il l'a pas pris, cet abruti fini. On va juste se détendre lui, vite fait, rapide. Ta gueule! On n'a pas le temps de réagir, le mec. Cerveau trop lent. Cerveau lent par rapport à moi. Par rapport à notre ami Talion. Allons-y! Allez, hop, 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 clac, clac. Tu grimpes, ni vu ni connu. Tranquille. Tranquille, regardez, tranquille. On a été les chercher ces deux tours. Voilà, les deux tours. Les deux tours, le nom en plus, les deux tours, c'est le nom d'un seigneur des anneaux. Deuxième, les deux tours. Ok, c'est bon. Tout, ah non, ils nous en récupèrent, il nous en reste une. Allez, on va chercher l'autre. On va chercher l'autre qui doit pas être loin non plus, je pense.
Ah, quand même, hein, 1300 pieds. Elle est un petit peu à l'opposé d'ici. Et on va sauter là. C'était un petit peu rapide. Ah, les pauvres. Allez, hop, on n'a pas vu. Allez! Quel déclin. Des fois, il est un peu con. C'est marécageux ici. C'est l'un de Poros. Oh putain, il y a des caragors là-bas. On va essayer de les éviter. J'ai pas trop envie de me faire bouffer, si tu vois ce que je veux dire. Ce qui est un petit peu logique. On gambade dans les prés. On gambade dans les prés. Le jeu est quand même vraiment très joli. C'est bon, il y a un caragor. Ok, bon, c'est parti, on se tape un caragor. Bim. 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 C'est bon, on l'a eu. Par contre, lui... Je pense qu'il serait bien de rester... Hein. Essayer de l'éviter, le gros. Pas envie, trop envie de me fighter. On est obligé de passer par là de toute façon. On peut pas grimper ça. Donc, c'est pas grave, on le grimpe pas. Du coup, on passe par la forêt. On passe par la prairie. Tic, 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 tic. C'est la prairie. Hop là. Tu m'as pas vu. Par contre, lui, je pense qu'il t'a vu. Et lui aussi. Oh merde! Je connais pas lui. Je veux juste savoir qui c'est, en fait. Qui c'est? Toumoug. Il est Toumoug. Toumoug, il est Toumoug. Non, j'ai pas envie de me le taper pour l'instant. J'ai juste envie de... Allez, voilà, c'est bon. Je veux juste la tour. J'ai pas envie de me taper les chefs de guerre. On n'est pas assez puissants pour l'instant, les amis. Parce qu'il faut savoir que les chefs de guerre dans cette région sont beaucoup plus puissants que dans la première région. À taper à côté de l'enclume, mais c'est pas grave. Donc, cette du coup, j'ai tour, pas trop envie. Les pierres elfiques brillent comme si elles étaient faites de lumière. La reine du rivage. Découvrez ce que c'est la reine Marwen à propos du pouvoir des spectres. D'accord. Du pouvoir de spectre. Ce nain prétend connaître la position d'autres artefacts appartenant au passé de Celebrimbor. Celebrimbor, pardon. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, écoutez, moi je dis qu'on va un petit peu rentrer dans le vif du sujet. Ça fait déjà 13 minutes qu'on fait cet épisode 16. Allons-y gaiement, allons-y, on va aller se faire cette petite quête principale. Allons-y, allons-y. Hop là, on va aller se faire celle-là. Le nain, vous savez, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le nain qu'on a... Bah, je pense que si vous, puisque vous l'avez vu, vous voyez cet épisode deux jours après l'autre, mais oui, c'est un... C'est le nain qu'on avait rencontré à la sortie de la grotte. Donc découvrez ce que la reine Marwen a... Ce que c'est la reine Marwen à propos du pouvoir du spectre. Putain, c'est compliqué comme phrase. La reine Marwen. Impression de me répéter. Tenez. Pas très bien, je crois qu'elle est mal. Je crois qu'elle est dans le mal. Elle se transforme en orque. Ah ben non, fallait garder ton skin, garçon. Ça, c'est dommage, je trouve. Il garde pas les skins dans les cinématiques. Il est quand même swag, son skin. Tu l'es pas très bien, je crois. J'ai trouvé le marteau en mitril. Ah oui, c'est vrai. Vos flammes peuvent me montrer pourquoi la mort m'a été refusée. Dis-nous tout. Pourquoi la mort m'a été refusée? On est mal. Elle a les yeux tout noirs. Elle se transforme. Vous êtes la victime d'un sacrifice de sang. Le sort peut-il être rompu? Détruisez la main noire et ses partisans et récupérez le Mordor. Ça marche, pas de soucis, je leur pète la gueule. Oh, je leur apprends un petit peu la ville. Viendra en aide. Aïe! J'étais un peu trop droit, excusez-moi. Vous n'en aurez pas besoin. Non, car vous êtes. Votre pouvoir engendre les partisans. Qu'ils ouais. le veuillent. Oh non. Ça va être la guerre, les amis. Une armée orque. Comment dois-je faire?
La réponse est dans la forteresse toute proche, mais ce que vous cherchez n'y sera peut-être plus très longtemps. Oulala ! Qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Excusez-moi, j'augmente le son du jeu parce que c'est un petit peu léger pour moi. Vous l'entendez bien, mais pas moi. On va juste faire une petite ellipse de 3 secondes et demie, parce que là, mon micro est vraiment en train de se casser la gueule. A tout de suite. Attends. Voilà, j'ai resserré mon micro, ça sera un petit peu mieux. Alors, attendez, parce que Armirune, on a quelques petits trucs là, mais je suis tout en épique, alors ma gueule, si je suis tout en épique, ça va être un petit peu dur d'être meilleur que ça, si tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais en fait, je pense qu'elles sont toutes bien, en fait, les trucs que j'ai déjà, donc ça m'embête de... Moi, de la portée de l'attraction, vous voyez, moi, je trouve ça pas très 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 utile. Moi, je veux des trucs qui font du bruit, des trucs qui font du dégât, hein. Ah ça c'est pas mal par contre. Ouais mais non parce qu'on s'en fout, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps, on est déjà on n'a pas le temps. Marouane okay. A décrété l'urgence. Affrontons l'avenir. Ah on me parle sur Skype. C'est pas grave, on s'en fout. Vous avez pas entendu, vous avez rien vu. Atteignez rapidement le fort maritime sans vous faire repérer. Ok, ça marche. Faut pas que je me fasse repérer par contre les amis. Donc on va essayer d'être... Je trouve ça être tout bête, tout simple hein, mais... Qu'est-ce qu'il fait ? Ses ennemis ! Ouais ! On leur arrachera les membres à nains ! Et on fera mes pains avec leur chair ! Allez, faut pas qu'on se fasse repérer. Clac, 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 clac. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Grimpe ma gueule ! Putain, j'ai quelques secondes hein, pour y aller. Oh, mais là, il y a des orques partout en fait. Ça, c'est pas trop rigolo. Comment je fais là ? Comment je fais là ? Lui là-bas. Est-ce que tu... Oh oui. Pousse. Et voilà. Non. Je me suis fait repérer. Mais j'ai... C'est une blague. Putain. Les amis, comment je peux me faire repérer alors que mec je coupe la tête. Marouane a décrété l'urgence. Je peux pas me repérer si je coupe la tête. Ceci est une blague. Bon, c'est pas grave. Continuons. Quand même. Et recommençons. Putain, mais c'est pas possible, si le mec je coupe la tête, il a pas le temps de comprendre que je coupe la tête. Surtout avec la frappe comme ça, quoi. Écartez-vous de mon chemin. Ça risque de prendre place. C'est moi qui le tuerai. Il faudra d'abord me passer sur le corps. D'accord. Alors, je pense pas que vous allez me tuer, en fait. Hein. Prenez pas vos rêves pour des réalités. Je ne pense pas que vous arriviez à me tuer. Allez, on continue. Ils sont fous, ils sont fous ces orques. Allez, j'ai encore 47 secondes pour y arriver. Clac, 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 il n'y a personne. On passe par là. On passe par là parce qu'ici c'est cool. Il faut être en hauteur, il faut jouer la hauteur avec, avec notre ami Talion. C'est lui qui sait tout faire. Voilà. Nickel, ni vu ni connu, je t'embrouille. Qu'est-ce qui se passe? Ok, il y a une armée ici. Il faut les sauver. Ce n'est pas eux que nous cherchons, mais ce qu'ils portent. Pas des armures? Je les sauverai malgré tout. Ah oui? Ne te laisse pas aveugler par tes émotions. Mais non, mais t'es con quoi, mon gars? Moi je veux bien, mais... Faut les sauver ces gens-là quand même. D'après la reine, nous saurons comment rassembler une armée d'orques dans cette forteresse. En marquant ces archers, nous pourrons rassembler notre armée et sauver en même temps ces hommes. Comment tu veux rassembler une armée d'orques? Mais putain, on va avoir une armée, les amis! Lorsque vous effectuez un drainage de vos ennemis, vous en infligez également un marquage. Ils deviennent ainsi vos partisans. Oh, pour marquer vos ennemis, maintenir B. Marquage furtif, RTB. Marquage de combat. Appuyez sur A plus B lorsque le compteur de coups est chargé. Oh, c'est le truc quand on arrive comme ça. Bah, truc de ouf? Non, ah non, non, c'est marqué. Ouais, je sais pas, écoutez, on va voir. Marquer les archers sans vous faire repérer. Ok, c'est parti, les amis. Oh mais putain ça va être génial ça, on va sur... Putain les amis, on va commencer à avoir une armée. C'est pas beau ça? Allez, faut que je les marque. Donc je vais déjà marquer celui qui est le plus simple, c'est-à-dire celui qui est en haut de cette tour.
pas aller le chercher. En plus, il va nous protéger. Ça va être un partisan à nous. On va avoir une armée à nous. Mais c'est pas beau, ça, dis donc. La vermine du Condor nous envahit. Marquez furtivement. Ton esprit m'appartient. Je te suis, mon père. Mais c'est fini. Il est temps pour nous de les rapports. Mais c'est trop bien, les amis. On a des mecs avec nous. On a des mecs avec nous, quoi. Y'a plus aucun respect. La décapitation est trop rapide. Ok. Allez, marquage furtif. Tu étais fait pour être intimidé par la terreur. Ok, celui là-haut. Ah, c'est super, les amis. En moins de 3 minutes. On peut le faire. La tête, les tripes. Qu'est-ce que je devrais trancher en premier ? Tout ça, on s'en fout. Regarde la lumière de c'est mes nickel. Yeux. Vois les flammes bleues qui vont te sauver. Allez. Coup. Allez, grimpe. Mon regard. En moins de 3 minutes, on peut le faire, les amis. Volonté de mortel. Il en reste peu. Alors, eux, ils sont. Oh putain. Descends. On va me faire griller. Regardez un peu ces fours tendres venus nous massacrer. Ok, c'est mais bon. Pas aujourd'hui. La fin des femmes est proche. Ta gueule. Laisse l'argent guider ta main. Oh putain, j'ai eu de la chance. Allez, il en restera plus que deux. Et on va avoir une armée d'archers. Les flammes et laisse-toi guider vers la rédemption. Ok, activez les archers marqués. Vous voulez voir combien de temps il prêt à faire feu. Feu. Ha ha ha! Éliminer tous les ennemis. Du coup, ils vont tirer sur les ennemis qui voient. Et ça, c'est énorme, les amis. C'est énorme, on va avoir une armée d'orques. Sans aucun putain de respect. Ha ha! On nous a trahis! Génial! Ça va être trop simple avec les archers. Ok, faut que je fasse gaffe parce que là, il y a... Ah, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave, tu m'appartiens. Ah, génial, j'ai pris le mec avec moi. En plus, il a l'air costaud. Alors par contre, A plus B en combat, j'ai essayé, mais je comprends pas. Mais c'est génial, il m'appartient dans une armée, les amis. Même Souris est plus courageuse que Schroeder. Génial, on peut avoir une armée. Et vous imaginez un peu avec une armée, ça va être la guerre. C'est la dame du rivage qui vous envoie nous sauver. Yes. La reine nous avait bien dit d'attendre la fin de la bataille. Mais les orques nous ont... Je te l'avais dit. Ces visions se réalisent toujours. Oui, mais moi, je t'avais dit que... Vous avez quelque chose pour moi. La reine Marwen nous a envoyé chercher ça. Qu'est-ce que c'est? Un plat de spaghetti? Des lasagnes? Un bœuf bourguignon? Ah non. Je suis le roi. C'est pas ça? Ah, c'est Celebrimbor. Non, même pas, c'est pas Celebrimbor. Ah, peut-être. Wow. Le mec qui maîtrise tout. Ah, si, c'est lui. Je me bats comme lui. Oh. Speed. Oh. Putain, il a mangé, lui. Ça c'est sourd. Ça c'est pas bon. Putain, pour le battre sourd, c'est chaud patate. Oh, il va essayer de se battre contre lui. Ah. Je crois qu'il est mort.
C'est l'anneau. Envoyez-les au Mordor. D'accord. C'est Sauron, en fait, qui a tout fait. C'est Sauron qui est derrière tout ça. Non, sérieux ! Merde, éliminez les renforts ! Allez mes archers, aidez-moi! Ah non, il y a l'autre en plus! Et j'arrive pas à faire un marquage. Ah, foiré! C'est vrai que, en plus, les amis, j'ai débloqué un truc. Il faut deux coups. Ah, ça va. Ah, foiré! Putain, ta race! Ah, c'est nickel, j'ai débloqué un berserker. Pas débloqué, j'ai marqué un berserker, tu m'aides. Eh oui, je suis invincible, tu crois quoi? Ne prenez pas pour un novice. J'ai pas de respect pour les enculés. Trop facile. Mais les amis, je peux avoir une armée comme ça, mais ça sera magique, quoi. Qui est le patron? C'est une chose de tuer ces Uruks. En faire nos partisans en est une autre. C'est un cadeau. On peut pas bien, lui. Les armes de l'ennemi contre lui. Mais c'est beau, ça, les amis. C'est beau. Moi, je le dis, c'est beau. Vous imaginez, on peut avoir des... une armée comme ça, quoi. Normal. Pepperus Tranquillus. Allez, on va se quitter sur une petite amélioration qui va bien nous aider. Une amélioration de dague, tenez. À pouvoir mettre plus de runes sur notre dague. Qu'est-ce qu'on a? Yeah. CDCIN. Rune disponible. Équipée. Augmente la portée de l'attraction. Ça peut être bien. Par contre, du coup, il me faudra un truc maintenant concernant le marquage. Chose qu'on verra plus tard. Je sais pas comment ça va marcher. Ah, je peux le taper, là, rien à foutre. Par contre, mon gars, tu peux fermer ta bouche, sinon. Hein. C'est trop bien. Et vous croyez qu'il me suit? À toi, pour moi. J'en ai deux à moi. Ok. Et tu me suis pas? Comment ça se passe? Est-ce que tu me suis ou tu me suis pas? Tu me suis ou tu me suis pas? Tu peux rien écrase faire. Écrase les ténèbres. Ok. Bon, c'est cool, c'est des mecs qui sont avec nous, du coup on a des partisans, c'est génial. Par contre on peut faire... Pardon, excuse-moi mon ami. A plus B. Donc on peut faire A plus B. Faudra regarder comment ça marche. Je vais aller voir ça après cet épisode. Voilà. Bon les amis, je pense qu'on va se stopper là, c'est déjà une grosse nouvelle, vous imaginez un truc de ouf. Et on se retrouve pour notre épisode 17. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer cette zone, hein, ce petit fort. On va le nettoyer, on ira chercher plein de potes avec nous. Et puis on va se fighter. On va faire ça les amis. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous. Merci encore une fois d'être là. Merci à tous de me suivre. Je vous adore. Je vous fais des bisous tout partout. C'est un peu chelou ce que je viens de dire. Bref, salut tout le monde, à bientôt.